Goumet frappait toujours, même puissance, aller, forcément l'adversaire y survit. Ne pas prendre de KO, c'est facile, c'est se fermer, bouger, ne pas prendre de risques, ne pas attaquer, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Il savait qu'à chaque fois, j'étais sur lui, il n'avait pas grand chose à offrir, juste une bonne défense et de temps en temps contre-attaquer. J'aurais aimé le KO, c'est sûr et certain, mais j'ai appris beaucoup sur ce combat. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu d'hésitation sur la décision. Ça a été net, ça a été une victoire nette. Ne vous inquiétez pas que Canelo, ça serait exactement pareil. Exactement ce genre de combat. Et le monde pense qu'on parle de Canelo, c'est juste pour parler. Mais l'objectif, c'est Canelo, on va être le numéro 1, donc on va l'affronter le numéro 1. Écoutez, Canelo, il a deux bras. Deux jambes comme moi, c'est un humain, il ne vient pas de la planète Vegeta, excusez-moi, mais Canelo c'est un humain, encore une fois, on est des athlètes, c'est vrai qu'il est très talentueux, c'est un très bon boxeur, mais encore une fois, j'estime être parmi les meilleurs, j'estime être le meilleur et je vais prouver que je suis le meilleur, on ira chercher Canelo. Encore une fois, il faut que le monde comprenne que j'ai eu un camp d'entraînement adapté à ce combat. C'est vraiment le message que j'aimerais passer à tous les fans de boxe. J'ai eu un camp d'entraînement adapté à ce combat-là. Un combat face à Canelo, le camp d'entraînement sera 10 fois plus dur, sera 10 fois plus solide, il y aura 10 fois plus de moyens. On ira en altitude, on ira à Bogota, on ira chercher des sparring adaptés à Canelo. Je suis ambitieux, j'ai une équipe qui me suit, j'ai une équipe qui fait son travail, j'ai une équipe qui a formé plusieurs champions, j'ai une équipe qui a formé des dizaines de champions, j'ai une équipe solide derrière. Je ne suis pas tout seul sur ça. J'ai des gens qui investissent du temps et de l'argent sur moi. Et je sais que mon coach aujourd'hui, lorsqu'il me regarde dans les yeux, en sachant qu'on est prêt à taper Canelo, il sait de quoi il parle. Il a déjà formé des Jean-Pascal, des champions, actuellement des Arthur Beterbiev. Je baigne dans un monde de champions. Et mon équipe sait de quoi. Mon équipe connaît leur travail, mon équipe sait de quoi il parle. Pour moi, il n'y a plus rien à dire, il y a juste à prouver. Ne vous inquiétez pas, Canelo, on va aller le chercher d'ici à courir à moyen terme.